Oh, alors ce sera donc serré hein, jusqu'à la dernière minute. Le suspense reste entier quant à l'avenir de ce projet de loi. Arthur Delaborde à 13h03, où en est-on Eh est bien, quelques heures hein, de cette CMP, la confusion règne toujours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, explique qu'il n'y a pas encore d'accord, mais qu'on n'a jamais été aussi proche d'en trouver un. Lors d'une réunion de groupe tout à l'heure, les députés Renaissance ont acté un certain nombre de concessions faites aux Républicains. Ce qui est clair, c'est que les LR auront le dernier mot ce soir. S'il n'y a pas de compromis, c'est très simple. Emmanuel Macron Macron retirera le texte et si un accord est trouvé, son adoption sera encore loin d'être assurée. Il sera soumis dès demain aux députés et aux sénateurs. La majorité fera-t-elle bloc pour voter un texte en grande partie écrit par la droite C'est loin d'être acquis pour le moment. Il y a d'ailleurs clairement une frustration de l'aide gauche de la Macronie, confie l'un de ses représentants, qui estime qu'au moins 15 frondeurs devraient choisir de ne pas soutenir le texte. L'exécutif n'a pas non plus la certitude que tous les LR se prononcent pour. Quoi qu'il arrive, un éventuel vote serait donc très risqué pour le gouvernement. Arthur de Laborde du service politique d'Europe